Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux avec nous ce soir. Les nuits sont longues en ce moment et c'est le sujet, photographier la nuit. J'ai la joie, le plaisir d'accueillir Aichi qui va nous parler de ce sujet, photographier la nuit. Et on est parti dans quelques instants. Je vais rappeler simplement comment se déroule un webinaire comme ce qu'on fait d'habitude ensemble. On va avoir la présentation d'Aichi. Il nous a rajouté un petit bonus puisqu'il a testé un des nouveaux produits de Calibrite, qui est une petite charte. Lui, il a la charte Color Checker Duo. Suite à ça, je vous parlerai des offres spéciales qui ont été mises au point avec le partenaire revendeur pour cet événement, qui est DxO. Et puis, on passera ensuite à une session questions-réponses avec Aichi. Au cours du webinaire, vous aurez deux petits quiz, donc on vous fera voter deux fois, et puis vous pouvez nous poser des questions si vous le souhaitez au fil de l'eau. En utilisant, vous devez regarder dans votre interface, vous avez la possibilité de poser des questions. Si jamais vous les posez au fil de l'eau parce que ça vous urge, moi je vais simplement les garder, Aichi il va pas les voir, moi je fais le modérateur. Je regroupe toutes ces questions et je vous les poserai dans la session questions-réponses. Juste pour s'échauffer, dites-nous en utilisant le bouton justement en question si le son et l'image sont de bonne qualité pour vous. Et je vais voir tout de suite vos réponses. Ça, on vérifie que tout marche bien. Allez, ça a l'air d'être bon. Ben, Chi, je te laisse te Ça a l'air bon présenter. pour tout le monde. Ouais, super. Et lancé. Yes. Bonsoir à tous. Merci Hervé de m'accueillir pour ce webinaire Photographier la nuit. Merci à tous d'être si nombreux. Je vois qu'il y a eu pas mal d'inscrits, donc ça fait vraiment super plaisir. Ce soir, on va parler de Photographier la nuit, on va parler de voyage et de Corée. Mais avant cela, je vais commencer par me présenter peut-être pour ceux qui me découvrent ce soir. Alors. Moi, je suis Eishi, photographe, réalisateur et directeur créatif. Je vous ai mis rapidement le lien de mes réseaux sociaux. Vous les retrouverez à la fin aussi si vous voulez un petit peu suivre mon travail. Pour me présenter, moi, en fait, je fais de la photographie urbaine de nuit. Et je vais commencer par m'introduire avec une petite citation que j'aime dire. Une image, c'est saisir une émotion, pourtant libre d'interprétation pour celui qui aura la curiosité d'imaginer son histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans ma démarche en tant que photographe, moi, j'aime réaliser des images et proposer une histoire. C'est-à-dire que quand on voit mes photos, j'aime bien que le spectateur se projette, s'imagine quelque chose, qu'il ait un petit peu la curiosité de s'évader. Et vous allez le voir, ce soir, on va s'évader avec des images qui nous font penser peut-être à des ambiances cinématographiques et c'est vraiment la démarche que j'ai dans mon travail. Dans mon travail, j'ai pu par exemple aller au Japon en 2019 et voici ce que j'ai pu faire là-bas, des ambiances de nuit très colorées, aux ambiances néons, un petit peu futuristes hein, pour ceux qui aiment le cinéma comme Blade Runner par exemple, on va en reparler tout à l'heure. C'est là où j'ai vraiment pu expérimenter ma photographie nocturne et me découvrir vraiment en tant que photographe urbain et voyageur parce qu'aujourd'hui c'est le cœur de mon activité. Dans cette démarche de transformer les couleurs, de proposer une vision alternative sur mon environnement, j'ai par exemple aussi photographié le Vatican plus récemment en juillet 2021 lors d'un road trip en Italie. Et j'ai toujours cette approche et cette envie dans mon travail de montrer les choses différemment. Le Vatican, on le sait, c'est un lieu très touristique. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est de proposer une vision alternative en travaillant ma prise de vue et mon réglage des couleurs au niveau du traitement. Donc, je photographie, mais aussi je traite mes images numériquement avec Lightroom, par exemple, pour obtenir ces résultats qui vont nous montrer un regard différent. Enfin, dans ma présentation, je suis aussi ambassadeur avec Adobe France et j'interviens ponctuellement pour organiser des temps de rencontre avec la communauté pour dynamiser la communauté créative. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pu découvrir cette année
mon travail en couverture du logiciel Adobe Lightroom 2022. Je vais masquer un petit peu ma caméra maintenant pour que vous puissiez voir un peu plus la présentation. C'est un projet que j'ai réalisé du coup il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai travaillé pendant un mois avec l'équipe Adobe, donc San Francisco, pour réaliser une série d'images. J'avais carte blanche pour créer des images dans mon univers, la seule contrainte étant de créer des images qui vont correspondre à l'identité produit du logiciel Lightroom, et l'une d'entre elles a été choisie pour figurer sur le logiciel. Voilà, certains d'entre vous sont peut-être utilisateurs et l'ont peut-être croisé. Elle est très très belle et je pense qu'il y a plusieurs personnes effectivement qui ont dû la croiser. Ils n'avaient pas forcément fait le lien avec toi Mais on ne voit qui pas présente forcément ce le soir. visage, oui, derrière ces images qu'on voit tous les ans à chaque mise à jour. Donc voilà pour la Voilà. petite présentation. Ce soir, on va parler d'un voyage cinématographique à travers la Corée du Sud, des ambiances cinématographiques de nuit. Et pour cela, je vous ai préparé une petite vidéo d'une minute pour vous introduire dans mon univers. Donc je vais vous la passer dès maintenant et on se retrouve juste après. Normalement, elle est là et je peux vous la lancer. À tout de suite. Hop, je crois qu'on est bon. On se retrouve, voilà, vous venez de voir quelques images que j'ai filmées donc en Corée du Sud pendant un mois. L'idée, c'est pas de les commenter ce soir, mais c'était simplement pour vous introduire un petit peu dans l'univers que je vais vous présenter ce soir, parce que je suis à la fois photographe et vidéaste, et donc j'ai réalisé aussi des prises de vue vidéo là-bas. Et vous avez une petite idée de ce dont on va parler ce soir. Parfait. Pour te juste donner un retour, il y a des personnes qui ont réagi en disant, ah, des belles couleurs. Est-ce que ça a été travaillé avec les courbes ou le color grading? Ne réponds pas tout de suite puisque je pense qu'on va en parler un petit peu après. C'est ça, on va en parler juste après. Le projet de ce soir, justement, c'est quoi? C'est de capturer des scènes de vie nocturne à travers leur composition, la lumière et les sujets qu'on va photographier. C'est quelque chose que j'ai notamment expérimenté au Japon en 2019 avec ma série Japan Cinematic Frame. J'ai adoré capturer des ambiances cinématographiques là-bas. C'est vraiment là-bas que je me suis découvert cette passion. Et donc, naturellement, il y a 2 mois, quand j'étais en Corée, tout le mois de septembre, eh bien, j'ai aussi tenté de photographier avec cette approche, de capturer des ambiances en essayant d'avoir un rendu cinématographique. Vous pouvez le voir ici, la présentation est en triptyque. C'est aussi une manière de présenter ces images. Ça marche bien sur les réseaux sociaux aussi, de diffuser ces images en série de 3x3 ou lorsque vous les exposez également. Avant de vous montrer les images, forcément, un voyage d'un mois, ça se prépare. Alors voici un petit peu l'itinéraire que j'ai réalisé tout le mois de septembre. Donc je suis parti un mois. Je suis d'abord arrivé à Séoul où j'ai passé une quinzaine de jours. Puis je suis allé à Sokcho en bus. Il faut savoir que de Séoul à Sokcho, c'est environ 2-3 heures de bus. Vous avez une petite idée des distances. Ensuite, après quelques jours à Sokcho, j'ai fait de la randonnée, c'était génial. Je suis allé à Haeju, un village perdu au milieu de la Corée du Sud, folklorique, qui date de plus de 600 ans. C'était incroyable. Mais il faut être motivé parce qu'il y a 6 heures de bus hein, pour y aller depuis Sokcho. Il faut aimer se perdre. Puis j'ai fini par Gyeongju et enfin Busan, que vous connaissez peut-être, où j'ai passé une petite semaine. Et pour terminer, je suis revenu à Séoul quelques jours avant de prendre mon avion pour le retour. Une fois que j'ai décidé de mon itinéraire, que je sais ce que je vais faire pendant mon mois, eh bien, il y a encore un peu d'organisation.
je vais faire une recherche de lieux pour identifier les spots photos, les quartiers vivants, les architectures que j'ai envie de voir, parce que évidemment, c'est un voyage que je fais dans le but de réaliser des images, donc j'aime bien savoir à l'avance ce que je vais trouver. Pour cela, je fais des recherches, j'utilise des blogs, je vais sur YouTube et je me crée par exemple une liste Google Maps. Vous le voyez ici à droite, je me suis fait une liste et ça répertorie tous les points d'intérêt que j'ai trouvés et ça me permet quand je me déplace de regarder où je suis sur la Maps et d'identifier les points d'intérêt à proximité. Bien sûr, j'aime aussi me perdre, juste me rendre dans un lieu et explorer sans savoir où je vais aller. C'est aussi comme ça qu'on a des belles surprises. Maintenant que j'ai trouvé mes lieux, que je sais les villes que je visite, je vais rapidement organiser mes trajets. Donc je regarde sur Internet, les sites Internet locaux des compagnies de train, sur des blogs, ils sont assez facilement référencés. Et du coup, ça me permet d'identifier les bus, les trains, où sont situées les gares dans les villes, histoire d'être à peu près prêt quand je vais me rendre en Corée. Après, j'essaye d'être assez dans l'improvisation quand même. Je n'aime pas organiser tout à 100%, mais me laisser quand même une marge d'improvisation sur place. Une fois que j'ai ça, que j'ai mes points d'intérêt, que je sais ce que je vais voir, eh bien, je peux réserver mes logements. Je passe par Airbnb, Booking. Vous pouvez le voir ici, par exemple, c'est un logement que j'avais réservé à Sokcho. Eh bien, je l'avais pris parce que j'avais une belle vue depuis le 14e étage et j'ai pu faire une série de photos entièrement depuis mon balcon. C'était quand même assez pratique. Ça me permet, voilà, de réserver mes logements en fonction des points d'intérêt et de ne pas prendre un logement à l'opposé des endroits que je veux photographier. Parce que souvent je sors la nuit après l'arrêt des métros. Quand je veux rentrer, on peut prendre le taxi. C'est très très bien en Corée, le taxi, c'est super bien développé. Mais si je peux éviter d'avoir 20 km à faire en taxi, ça m'arrange. Alors, ensuite, pour terminer, dans cette organisation, évidemment, je recherche rapidement les ressources utiles, installer les applications de localisation comme Kakao Map ou Never Map. Faut savoir qu'en Corée du Sud, Google Maps n'est pas très bien développé, donc je l'utilise pour voir où sont les points d'intérêt, mais sinon j'utilise Kakao Map pour me déplacer, voir les métros, tout ça. Et je fais aussi quelques recherches sur des sites internet pour avoir quelques termes de langage dans le lexique pour les quelques expressions coréennes que je pourrais apprendre afin de faire plaisir aux locaux. Là-bas, ils parlent anglais, mais c'est toujours bien de pouvoir leur glisser un petit Annyeonghaseyo. Gansamnida, qui sont pour dire bonjour, merci, ça leur fera toujours plaisir. Enfin, pour la préparation du matériel, pour terminer, hein, il y a aussi ça, le matériel. Je vais vous afficher ma caméra, je les ai avec moi en même temps. Normalement, vous devez me voir à nouveau. Voilà, moi je photographie avec un Sony A7R3. Pourquoi j'ai choisi ce boîtier? Tout simplement parce que avant de devenir indépendant, je travaillais en agence de communication et je travaillais avec du moyen format, Fujifilm, un GFX 50S qui avait 54 millions de pixels. Et donc, je me suis toujours habitué à travailler avec des boîtiers qui avaient beaucoup de pixels et qui me permettaient de faire du recadrage. C'est quelque chose que j'adore. Donc, quand je me suis lancé en indépendant, j'ai aussi choisi un boîtier qui avait beaucoup de pixels, là, 42 millions de pixels pour le Sony A7R3. Forcément, on n'a pas toujours besoin d'autant de pixels. Moi, c'est un confort de travail que j'ai choisi. Mais avec un boîtier qui en a 24, 18, ça marche aussi. C'est un boîtier plein format, je le précise. Au niveau de mes optiques, elles sont là. Donc j'avais un Sigma 35 mm 1.4 monté sur mon Sony. En photo de nuit, c'est très pratique parce que ça me permet d'avoir énormément de lumière. Là où c'est compliqué la nuit, vous le savez, c'est un peu un défi de photographier la nuit. Donc plus on a un objectif qui ouvre, la F1.4 en l'occurrence, plus on va avoir de lumière. Donc c'est vraiment génial en photo de nuit. Mais j'ai aussi notamment, par exemple, acheté celui-ci directement en Corée du Sud. Je vous en parle parce que là-bas, il y a aussi beaucoup de seconde main. Vous allez des marchés, vous pouvez un petit peu négocier, c'est assez sympa. Donc moi, je me suis acheté ce petit 1635G Master Sony qui me vient directement de Corée. Et pour terminer, j'ai un objectif, hein, pour finir dans la liste. Un Tamron 70-180, c'est un des premiers objectifs que j'ai acheté, qui me permet de faire de la longue focale, de prendre des gens en photo dans la rue sans me faire repérer forcément. Ils ne me voient pas spécialement. Donc c'est plutôt chouette d'avoir un tel objectif. Et voilà, avec ces trois objectifs, donc du 16 mm au 180 mm, je couvre quand même une bonne plage focale, ce qui me permet de prendre la rue sous tous les angles. Pour terminer rapidement avec mon matériel, je vais vous présenter mes accessoires. Rapide, en photographie de voyage, très important le trépied, et je vous le montre. Hop, j'ai mon câble qui s'est mis là.
Il est très léger, il est tout petit, c'est un Benro. Et en photographie de voyage, c'est hyper important d'avoir un trépied qui tient sur le sac à dos, qui pèse 1,2 kg, 1,3 kg vraiment. En photo de Passe nuit, peut-être en j'adore. plein écran pour que les gens voient parce Alors, je que peux faire ceci, je crois. Vous le voyez peut-être voilà, là. génial. Voilà. Je vous remettrai la présentation après. Voilà, vous l'avez en grand. Et vous voyez, il tient dans la main. Il est tout petit. C'est un trépied Benro. Vous pouvez le retrouver sur le site Digixo, qui est notre partenaire ce soir. Et voilà, juste, c'est génial. La photographie de nuit avec un trépied, c'est quand même vachement chouette. Alors, je n'ai pas fait que ça, mais j'aime beaucoup parce que ça me permet d'aller chercher des détails la nuit qu'on peut parfois difficilement retrouver en prise à main levée. Voilà, j'ai aussi un sac à dos Wander de 21 litres qui me permettait de mettre tous mes objectifs dans mon sac à dos quand je partais en session. Je ne les prenais pas forcément tout le temps, mais j'avais possibilité de les avoir tous avec moi et il était très pratique. Voilà pour la préparation du matériel. Mon écran est de retour, je crois que vous le voyez. Alors, je vais boire un petit coup et on va passer à capturer des scènes de vie nocturne, place aux images. Je vais retirer ma webcam pour que vous puissiez profiter pleinement des images. Alors, je voulais commencer par vous parler de cette série. Un petit peu ce soir, je vais vous parler hein, des images que j'ai faites. On en verra tout à l'heure leur traitement, mais d'abord, on va parler un petit peu de leur histoire. Moi, un amour que j'ai dans la photo de nuit, pour capturer ces scènes de vie de nuit, ce qui me plaît énormément, c'est lorsqu'il pleut. Au Japon, j'ai été très déçu de ne pas avoir une seule goutte de pluie en 20 jours. Là, j'ai eu un peu de chance. Sur un mois, j'ai eu 3 jours de pluie. C'est pas énorme, mais je peux vous dire que ce soir-là, je suis resté vraiment toute la nuit dehors jusqu'au moins 5 heures du matin. Et j'adore saisir les ambiances et les reflets qu'on peut obtenir la nuit. Vous le voyez ici, une photo prise donc avec mon téléobjectif, ce qui me permet quand même d'isoler mon sujet qui est mon scooter, mais d'avoir de la matière autour sur mon cadre, sur mon environnement. On peut jouer avec les reflets, les ambiances lumineuses. Forcément, la nuit, donc là, c'est poncho obligatoire, parapluie, des bonnes chaussures. Et puis, on est parti toute la nuit. Voilà, on prend une bonne douche en rentrant et on est content. voilà, encore des ambiances de nuit. Alors, cadrage cinématique, cinémascope, on va en parler juste après. Vous le voyez, on essaye de cadrer large, à la fois du grand angle, à la fois du téléobjectif, pour avoir de la variété dans les images qu'on veut créer. Pour cela, c'est important de choisir son cadre. Ici, vous avez une image, donc format cinéma, comme je vais le dire, un ratio 21 neuvième, mais vous voyez seulement ce que je choisis de vous montrer. Donc, c'est ce qui est important lorsqu'on choisit son cadre, parce que cette image, vous la voyez comme ceci, mais en réalité, si je vous montre l'image sortie de capteur, avec son format d'origine en ratio 2 par 3, eh bien en fait, on a une image qui est vachement plus grande. Et la démarche aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est aussi quelque chose qui peut se faire, qui n'est pas interdit de recadrer dans ces images, de recomposer ces images pour identifier, pour recentrer sur son sujet, afin de trouver l'image qui va vous plaire et qui va vous parler le plus, qui va raconter l'histoire que vous souhaitez raconter. Ici, par exemple, en format portrait, un ratio 4 par 5, on peut imaginer une affiche de cinéma, webinaire photographié la nuit, le 29 novembre, c'est aujourd'hui, vous êtes en pleine séance. Et voilà, mais on en revient à ce format cinéma, celui que j'aime présenter et que je vais vous montrer un peu plus ce soir. Voilà, n'hésitez pas à recadrer dans vos images, c'est intéressant d'avoir le ratio plein cadre, mais c'est intéressant de recadrer également. On va aussi parler ce soir de la théorie des couleurs, parce que quelque chose qui est important dans mon travail et dans votre travail de l'image, c'est les couleurs. Vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle color.adobe.com, qui vous permet d'importer une image et ça va automatiquement vous créer une palette de couleurs à partir de votre image. Et pourquoi je vous dis ça? Ça vous permet d'identifier les couleurs dominantes dans vos images. Et par exemple, dans la création d'une série, ça vous permet de vérifier que toutes vos images sont bien dans la même palette de couleurs, qu'elles correspondent entre elles, parce que parfois on peut avoir du mal à s'en rendre compte au premier coup d'œil. Et c'est un outil qui permet de vérifier. D'ailleurs, on va parler, je vais te demander Hervé si tu veux bien, on a une petite question pour vous. On a trouvé une citation de quelqu'un qui a dit « Je pense souvent que la nuit est plus vivante et plus richement colorée que le jour. » D'après vous, qui a bien pu dire cette citation?
Vous allez le voir, ça fait sens avec notre recherche de colorimétrie. Ben voilà. Là, il y a cinq couleurs et donc on va vous proposer une mini-interro pour voir si vous êtes avec nous et si vous suivez. Donc je lance un mini-sondage. Donc qui a dit? Je pense souvent que la nuit est plus vivante et plus richement colorée que le jour. Et vous allez pouvoir voter avec cette question qui vous est posée. Alors, j'ai pas remis toute la phrase, mais vous pouvez choisir de deviner qui a bien pu dire ça. Est-ce que c'est Michelangelo? Est-ce que c'est Richard Boringer? Est-ce que c'est Denis Villeneuve, le réalisateur? Est-ce que c'est Vincent Van Gogh? Van Gogh, si vous voulez prononcer. Dans sa langue natale. Est-ce que c'est Clara Luciani, chanteuse? Voilà. Qui, à votre avis, a bien pu dire la phrase qui était présentée juste avant? Alors, tu vois les résultats? Moi, je ne vois pas les résultats en temps réel pour l'instant. Je vois que les gens peuvent répondre. Ah, Il moi, faudra je que les tu ai. fermes peut-être le sondage. Alors, j'attends encore un tout petit peu, parce que Oui. j'ai que 42%, 45% des gens qui ont voté. Tentez le coup, hein, vous prenez pas Oui, la c'est ça, tête. hein. Y a pas, vous répondez comme ça, vous pourrez voir un petit peu. Même Ah, si vous si, avez si. peur de ne pas avoir la bonne réponse. Ça se répartit. Je pense que dans les premiers qui ont voté, il y en a qui savaient, mais là, ça se disperse. Donc, je vais encore laisser une seconde ou deux, et puis on va fermer le sondage. Voilà, on a 75% de votants. On va arrêter là. Et je partage les résultats. Attends. Je partage les résultats avec vous. Voilà. Donc, Michelangelo, 11%. Richard Boringer, 28%. À égalité avec Vincent Van Gogh, Denis Villeneuve 27% et Clara Luciani 5%. Elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire ça dans une chanson. Et tu vas, toi, nous montrer. Je vais pouvoir vous montrer la Vas-y, ça. réponse. Normalement, vous voyez à nouveau mon écran. Et une bonne majorité était dessus. Vous aviez raison. C'est bien sûr Vincent Van Gogh qui a dit cette citation. Et pourquoi on vous parle de Vincent Van Gogh ce soir? Toujours dans cette idée de parler de la théorie des couleurs, vous voyez ici une de ses peintures et dans cet outil Adobe Color, vous pouvez par exemple importer des peintures, des illustrations d'artistes que vous aimez pour en extraire la palette de couleurs et essayer de réutiliser ces palettes dans vos images, de vous en inspirer. C'est pas une mauvaise chose de s'inspirer d'œuvres de peintres, d'artistes pour créer des images à partir de leur palette de couleurs. Et si on regarde bien, voilà, dans cette œuvre de 1888, pardon, La Nuit étoilée, au final, on retrouve une palette de couleurs qui est assez proche de mon rendu, de mon univers cinématographique. Alors peut-être que je me suis inspiré de Van Gogh, ou peut-être que j'ai d'autres inspirations, notamment dans le cinéma. Ici, vous avez une image de Blade Runner 2049, donc de Denis Villeneuve qu'on vient de citer juste avant. Vous pouvez par exemple aussi importer dans cet outil des prises, des captures d'écran de films, des arrêts sur image, et essayer de vous inspirer de leur colorimétrie en extrayant les couleurs grâce à l'outil Adobe Color, et aussi de s'inspirer de la prise de vue. Ici, vous voyez, on a un personnage qui est dans l'ombre avec une scène éclairée. Il faut savoir que ça, c'est une scène qui est réalisée en studio avec des éclairages, avec une équipe technique autour et des projecteurs. Et je vais vous montrer que pourtant, en s'inspirant de ça, on peut créer des scènes similaires simplement en pleine rue, sans ajout de lumière artificielle, simplement en utilisant l'éclairage ambiant et en ayant un bon timing. Donc ici, j'avais une scène à Busan. J'ai capturé ce jeune homme là en train de vapoter sa cigarette électronique, et vous voyez, j'ai saisi le moment juste après. On peut la deviner dans sa main. Donc j'ai un peu de fumée, j'ai mon personnage en clair-obscur là, on a une lumière assez dure, et il est dans l'ombre, j'ai mon environnement qui est éclairé, et vous voyez qu'on peut se rapprocher des ambiances qu'on peut retrouver dans le cinéma. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu de Yeni. Yeni, c'est une modèle que j'ai photographiée en Corée du Sud parce que j'aime photographier les inconnus, mais j'aime aussi réaliser des prises de vue avec des modèles où on peut prendre le temps de se balader, de imaginer des scénarios, de prendre le temps de tester dans l'environnement sans forcément prendre les gens à la volée. Voilà aussi une autre démarche que j'ai dans mon travail. Ici, vous voyez, j'ai pu
passer un prisme devant son visage pour faire réapparaître de la lumière devant son visage. Une autre scène que j'aime beaucoup avec ces deux jeunes filles, je les ai vues là. En fait, en Corée, les Coréens sortent beaucoup devant les restaurants fumer leurs cigarettes. Et là, j'adore parce que on a un rendu, pardon, mon micro, on a un rendu où j'ai cette situation avec ces deux jeunes filles qui fument leurs cigarettes en même temps. Et je trouve l'image vraiment super intéressante. J'ai vu ça, j'ai direct déclenché ma prise de vue. Encore une fois, dans cette démarche d'avoir un rendu cinématographique, là, on peut s'imaginer une scène de restaurant. Je suis au 180 mm, je zoome sur ces inconnus que je ne connais pas, et on peut imaginer l'histoire, la conversation qu'ils se racontent autour de leur repas. Ce que j'aime aussi, c'est donner cette impression d'avoir un portrait, d'illustrer un moment figé, alors que c'est simplement un moment que j'ai immortalisé sur le vif. La personne n'a pas posé pour moi, et pourtant on pourrait croire que c'est un portrait posé où j'ai demandé à un modèle de s'arrêter. Non, l'idée dans cette photographie de rue, c'est aussi de montrer qu'on peut créer des portraits à partir de moments improvisés sur le vif en pleine rue. Enfin, une autre image que j'aime aussi montrer, là on est plus sur du grand angle, du 16 mm. J'aime beaucoup cette image parce que je l'ai découvert après traitement, après avoir réalisé les prises de vue en faisant mon traitement, que j'avais ce parapluie jaune qui passait au milieu de ma scène, et je trouve que c'est le petit détail qui matche parfaitement avec tout le reste. On a des ambiances de jaune dans le restaurant, à l'extérieur, sur la peinture, sur le sol, et on crée ces scènes avec ces petits détails de couleurs qui nous font dire: ah, des fois c'est chouette, ces petits moments improvisés. On a aussi des déchets, mais ça c'est assez classique en Corée du Sud, faut le savoir, hein, quand vous sortez de nuit, vous allez en croiser à tous les coins de rue, mais c'est ramassé dans la nuit. Une autre approche dans mon travail que j'avais envie de présenter, et c'est un moment que j'adore en Corée, c'est le moment où la pluie commence à tomber. Et j'ai volontairement travaillé en vitesse lente de shutter, en vitesse réduite. Vous le voyez là, je suis à 1/13 de seconde. Parce qu'au moment où la pluie tombe, on a ce moment où la foule s'agite, rentre dans les magasins, tout le monde va acheter un parapluie. Si on est dans un magasin et qu'on voit plein de gens rentrer, on peut deviner qu'il s'est mis à pleuvoir dehors, parce que c'est un peu ce moment d'agitation où tout le monde ouvre son parapluie, court dans les magasins, et je voulais immortaliser ce mouvement avec cette photo, avec ce mouvement très lent sur les lumières en slow shutter speed. Donc j'ai aussi travaillé de cette manière. Faut pas hésiter à essayer d'avoir des rendus un peu créatifs, à baisser les vitesses lorsqu'on réalise nos prises de vue. Quelque chose qui est assez chouette en Corée du Sud, les Coréens sont vivants, ils viennent vers vous assez facilement, et du coup on a ces situations où parfois on a ces Coréens qui vous regardent dans l'objectif et qui sont contents d'être pris en photo. Ici au milieu, on a cette jeune fille que j'ai pris en photo, et je suis allé la voir pour lui demander si je pouvais faire un portrait, si elle voulait bien poser pour moi le temps de 1 ou 2 minutes. Et son visage était un peu trop sous-exposé, et je lui ai dit simplement: bah tiens, prends ton téléphone, mets la luminosité à fond et tu vas voir, ça va t'éclairer le visage. Alors je l'ai dit en anglais, hein, je ne parle pas coréen. Et tout de suite, on a son visage qui ressort dans l'obscurité, et ça nous permet d'avoir un portrait convenable de nuit. C'est des petites astuces, et ça fait des photos qui restent assez, comment dire, qui ne tranchent pas. C'est assez naturel d'avoir un téléphone dans les mains. Voilà. On a aussi ici, je passe dans les rues, j'ai des Coréennes qui me disent: hey, regarde-moi, on est là, prends-nous en photo, et qui posent. C'est assez drôle. Je bois un petit coup. Voilà, on a les Coréens, encore une fois, qui sont heureux d'être pris en photo, ils sont souriants, qui te regardent, qui te disent: prends-moi en photo. Ils ont envie d'être pris en photo, ça, c'est drôle. Et ici au centre, je voulais rapidement vous parler de l'image qui faisait la couverture de ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une double exposition, donc c'est un procédé qui remonte déjà à l'argentique, hein, c'est pas nouveau. La fusion, la superposition de plusieurs images pour créer une composition. Alors moi, mon appareil ne le fait pas en direct, mais il suffit de
superposer des images dans Photoshop et vous pouvez obtenir le même résultat. Certains boîtiers le font directement. Ça dépend de votre fabricant et de votre boîtier. Voilà, ici une jeune femme qui mange au restaurant seule. J'adore capturer ces instants. Je passe dans la rue à travers une vitre et on essaye d'immortaliser des scènes de vie du quotidien. Voici pour les images, pour leurs histoires. Maintenant, on va parler un petit peu de leur traitement, de comment on réalise ces images numériquement, comment on les retouche. Mais avant ça, il y a quelque chose de très important. Le point de départ, c'est d'avoir un écran calibré. Vous le voyez sous vos yeux, un écran calibré, ça fait toute la différence. Ici, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. J'avais mal réglé mes profils et voici le résultat de mon image non étalonnée et le résultat de mon image après étalonnage. Forcément, lorsqu'on retouche, si on part avec une référence qui est mauvaise, à la fin, on ne peut pas s'attendre au meilleur des résultats pour avoir les couleurs qui seront aussi, qui seront exceptionnelles. Donc voilà, quelques points clés à savoir, c'est d'avoir un écran de qualité qui couvre le sRGB à 100% et au minimum 95% du Adobe RGB. Voilà, c'est un profil, un spectre de couleurs qui est plus étendu que le sRGB qui est plutôt pour du web. Là, le Adobe RGB, c'est prévu pour de l'impression, c'est un spectre de couleurs étendu. Et aujourd'hui, c'est assez abordable dans tous les écrans. Donc, étaler son écran à l'aide d'une sonde. L'année dernière, on avait fait déjà un webinaire avec BenQ et Calibrite. Vous pourrez retrouver, il est sur YouTube, où je vous montre comment on le fait en direct, l'étalonnage de l'écran. Bien sûr, utilisez des bons profils d'affichage à l'écran et dans les logiciels, parce que votre écran va avoir un profil, le logiciel va en avoir un aussi. Idéalement, c'est bien d'être réglé sur le même pour les deux, sinon, encore une fois, vous pourrez avoir ces soucis de couleur. Petit détail mais très important, la luminosité de l'écran. Quand vous recevez un écran en réglage d'usine, il a une luminosité extrêmement haute. Il faut la redescendre, la réduire à 100 candélas du mètre carré, voire 80. Mais c'est compliqué d'aller sous 100 candélas si vous n'êtes pas dans une pièce sombre parce que votre œil a aussi besoin de s'habituer à la luminosité de votre pièce. Et donc, si votre pièce est trop lumineuse, le fait d'être sous candela, il n'y aura pas de grosse différence. Donc, sans candela, c'est très bien, c'est plus proche du rendu papier et vous aurez moins de fatigue oculaire. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'est important parce que si cette base-là, elle est mauvaise, eh bien, tout le reste, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, je précise, tu peux revenir peut-être sur l'image avant. On voit bien l'écran non étalonné et quand il est étalonné, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des couleurs justes, mais ça, un écran étalonné il va faire révéler plus de détails en fait, qui sont dans votre fichier, et notamment dans les hautes et les basses lumières. Et là, on le voit bien, si ce n'est pas le bon profil ou un écran non étalonné, comme on voit à gauche, alors qu'à droite, eh bien, en fait, on a plus de matière, plus d'infos. C'est ça. C'est un des avantages de travailler avec un écran bien réglé et étalonné. C'est ça, voilà. Et ça, c'est ce qui m'est vraiment arrivé à moi. Et au moins, on n'a pas de surprise dans l'impression si l'écran est bien étalonné. Maintenant, on va parler du traitement, une fois qu'on a étalonné son écran, avec cinq grands points, le recadrage, la balance des blancs, l'exposition, les courbes et le color grading. Vous avez la photo avant traitement, vous le voyez, elle est déjà très intéressante. Mais dans ma démarche d'avoir un rendu cinématographique, d'aller chercher un peu plus loin, à pousser le concept, à raconter des histoires. Voici un petit peu les réglages que j'aime aller chercher. On commence déjà par réduire la balance des blancs. Moi, j'aime travailler dans les tons froids. À savoir que je règle déjà mon appareil photo avec une balance des blancs froide dès la prise de vue, même si en RAW, on peut la changer dans le logiciel. Moi, j'aime bien avoir un aperçu direct quand je fais mes photos de la balance des blancs que j'aurai au traitement. Donc je règle directement mon appareil photo avec une balance des blancs froide. Je me mets généralement à 3700, comme ça c'est pas trop froid mais pas trop chaud, c'est vraiment suffisamment froid pour que j'ai un aperçu de mes couleurs. Ensuite, j'interviens sur l'exposition et le contraste, donc vous pouvez voir mes réglages ici. Hein. Alors, c'est des valeurs qui sont propres à cette image, il faut adapter en fonction de vos images, mais l'idée c'est quoi? C'est de réexposer mon sujet, de déboucher les ombres et de casser un peu les hautes lumières, parce que vous allez le voir juste après. Je vais recréer du contraste avec les courbes. Vous le voyez ici avec les courbes, vous avez les tons foncés, les tons moyens et les hautes lumières. Et le fait de
faire cette courbe en S, ça s'appelle, hein, généralement, c'est le terme qu'on dit, une courbe en S, eh bien, ça me permet de remonter mes hautes lumières, de recréer du contraste dans mon image, mais de ne pas être surexposé dans mes hautes lumières, puisque j'ai anticipé cela en baissant mes hautes lumières. Bien sûr, si vous avez un souci, vous pouvez revenir sur les hautes lumières, ajuster. Il ne faut pas hésiter à aller revenir sur les différents réglages pendant votre traitement. Enfin, une fois que j'ai fait ça, je viens jouer avec les outils de color grading. Dans Lightroom, il y a des super outils. Par exemple, je peux teinter mes tons moyens et mes ombres. Je vais laisser mes hautes lumières, qui sont déjà teintées par ma balance des blancs, neutres, pour pas être non plus, pour pas trop casser mon blanc. Voilà. Et ici, j'ai teinté mes ombres avec du orange, du jaune, pour aller un petit peu dans ce rendu un peu plus verdâtre. Vous voyez ici, je joue aussi avec les teintes. On peut un petit peu jouer pour étalonner les couleurs, rendre le bleu plus vert. C'est assez marrant de dire ça, mais c'est pourtant le cas. Voilà, n'hésitez pas à jouer avec les outils de color grading. Pour terminer, vous avez quelque chose de vraiment sympa dans Lightroom, c'est les profils. Peu de gens le savent, mais vous pouvez utiliser des profils qui sont directement dans Lightroom, qui sont intégrés au logiciel en début ou en fin de retouche. Moi, j'aime bien le faire en fin de retouche parce que je vais chercher des profils qui vont fonctionner avec la retouche que je viens de faire et je vais ajuster leur intensité, ce genre de choses. Après, vous pouvez aussi trouver un profil qui vous intéresse. Vous voyez, vous avez différents rendus de couleurs et travailler votre retouche par rapport à cela. Voilà le résultat final en ajustant, en peaufinant les réglages, ce que vous pouvez obtenir à partir de l'image initiale. Un petit bonus, on en parlait en début de session, je vais réafficher ma caméra. On va parler du color checker. Je crois que vous la voyez juste ici. Hop, je me mets en plein écran rapidement. Hop, elle est là. Certains d'entre vous les connaissent déjà puisque vous êtes peut-être habitués des webinaires Calibrite, mais je vais vous montrer en quoi ça consiste. Ici, le color checker, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez la photo d'origine à gauche qui est prise par exemple dans des conditions de luminosité où la lumière était très chaude. Mais moi, par exemple, j'ai besoin pour mon client de m'assurer que le rouge sur la pochette d'album d'Orelsan, que j'aime beaucoup, eh bien, soit le bon rouge. Eh bien, je vais utiliser cette charte qui va créer un profil pour réattribuer la couleur, les couleurs d'origine et réajuster, créer un profil afin d'avoir les bonnes couleurs de référence dans mon image. Je le fais par exemple ici avec cette petite carte pour vous souhaiter un joyeux Noël d'un ami qui s'appelle PM Studio qui fait des très belles illustrations. Et je voulais être sûr que sur ma photo, j'ai le bon rouge qu'il avait utilisé pour son impression. Et grâce à la charte, eh bien, j'ai pu récupérer les couleurs malgré une lumière de mon environnement qui était très chaude. À l'inverse, j'avais une lumière très froide. Eh bien, c'est pareil, j'ai pris une photo avec ma charte. Et j'ai créé un profil qui a réajusté les couleurs. Il peut y avoir des différences de luminance parce que forcément, les luminosités ne sont pas les mêmes entre les différentes températures de couleurs. Voilà un petit peu pour la Color Shaker. Je vous la remontre à la webcam. Donc ici, on a la version photo. Moi, j'ai la version de voix. C'est la toute dernière. J'ai demandé à Calibrite de me l'envoyer pour la tester. Alors, je n'ai pas encore pu la tester en conditions de voyage, mais j'ai hâte de faire ça. Et vous avez aussi la fonction pour la vidéo. Parce qu'elle s'adapte à la fois aux photographes et aux vidéastes. Et ça nous permet de réajuster les couleurs de référence sur une base neutre. Peut-être qu'Hervé, tu veux dire un petit mot là-dessus? Ouais, mets-toi en plein écran pour montrer la partie vidéo. Normalement, Voilà. c'est bon. Je pense qu'on me Alors, voit. cette charte, elle s'appelle la Color Checker Passport Duo. Et comme le nom l'indique, elle est faite pour la photo et pour la vidéo. Là, Aichi nous la présente avec la fonction vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 24 patchs de couleurs que vous avez à droite, il y a aussi des noirs, sont tous pris en charge automatiquement dans le logiciel de montage et de post-production DaVinci Resolve. Et que la partie qui nous montre sur la gauche, avec les trois bandes, vous voyez qu'il y a quelque chose de très clair qui s'approche d'un blanc, un gris IRE 40 et un noir, ça permet de caler sa caméra vidéo avec un outil comme les Zebra par exemple, et ça permet de disposer de toute la plage de luminance en fait quand on fait de la vidéo. Un gros avantage aussi de ces chartes, qu'on ne va pas vous montrer là, mais en utilisant une charte comme ça, on va pouvoir aligner par exemple une GoPro ou une caméra qui serait utilisée, par exemple, une action caméra,
Et séparément, votre boîtier principal, qui peut être un Canon, un Sony ou un boîtier RED, si vous avez pu vous en faire prêter un. Et donc, on peut comme ça capturer le profil en lumière et en éclairage de chacun des boîtiers. Et quand on fait un montage ensuite, quand on travaille en multicaméra, c'est très important d'avoir un point de référence pour le montage, pour savoir quel appareil était réglé comment au moment de la prise de vue. Et en photo, c'est pareil. Si tu fais une Ah, c'est ça. série et que tu fais des photos de nuit, mais tu n'es pas toujours sous le même éclairage, on l'a vu, hein, d'une rue à une autre, tu peux Bah avoir oui. des lumières différentes. Bah, au Ça me moment permet de où on me veut. réajuster, hein, et C'est d'être ça. sûr que sur tous mes traitements, je vais avoir une base, qui sera la même et je pourrai faire mes retouches à partir de cette base. Sinon, C'est si je ça. travaille sur une photo jaune et une photo bleue, bah mes réglages vont être complètement différents. Tout à fait. Donc c'est un gain de temps. Hop. Voilà un petit peu. Ouais. Alors, il y a une question quand même, je vais y répondre tout de suite, de Philippe. La color checker, c'est en post-traitement. On va la positionner au moment de la prise de vue, une fois, par session, hein, si vous êtes dans une rue ouais, voilà, ou sous un éclairage. Ensuite, on l'enlève, on fait les photos qu'on doit faire. Et en post-traitement, on va pouvoir exploiter cette information. Mais le gris que vous voyez à gauche, reviens juste sur l'image avant. Pardon. Le gris que vous voyez à gauche vous permet aussi de faire une balance de votre boîtier sans aucun logiciel, hein, directement dans votre boîtier, en faisant une balance manuelle. Alors, d'un boîtier à un autre, entre un Canon, un Nikon, un Sony, d'autres marques, ce n'est pas forcément les mêmes boutons. Mais vous pouvez aussi, comme ça, bien caler, faire une balance manuelle de votre boîtier avant. Donc, ça, c'est de la pré-prod de shooter. Et la charte dans l'image, vous allez l'utiliser, l'exploiter en post-prod, puisque vous allez avoir un point de référence, puisque chacune des couleurs, elle est particulièrement répertoriée. C'est pas fait au hasard. Les blancs, les gris, chacune des teintes. En fait, si vous regardez, il y a le RVB, le cyan, magenta, le jaune, le noir, toutes les couleurs clés qui vont vous permettre de savoir la dérive qu'il y a à cause de l'éclairage ambiant ou du nombre ou ce genre de choses. Voilà, on reprend ta présentation, excusez-moi. Voilà. Et puis, de toute manière, moi, j'avais fini pour ça. Et on va pas pouvoir un petit peu passer à tes petites offres aujourd'hui pour nos participants au webinaire. Ah, tout à fait. Mais peut-être que avant qu'on passe sur l'offre, je fais un petit sondage à nouveau. Ah oui, tu veux peut-être faire celui-là. On peut le faire le sondage sur la Color Checker, justement. Ouais. Donc, on Hop. vous en a parlé un petit peu comme ça des color checkers. On voulait avoir votre sentiment. Vous, la charte color checker. Et vous pouvez répondre. Donc, 5 questions. Je connais le principe, mais je ne l'utilise pas. Je connais et j'utilise quand c'est utile. J'avais pas saisi l'utilité, mais maintenant je comprends. Je suis curieux de la tester en photo. Je suis tenté de la tester en vidéo. Vous pouvez cocher C'est ça. plusieurs cases, hein. C'est un choix multiple. Donc on va laisser ça quelques instants. Vous pouvez voter. Comme ça, on prend un peu la température. Pas la température de couleur, mais la température de vos impressions Moi, sur c'est ça. ce Ça fait genre un moment d'outil. que je voulais la prendre en main. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester en voyage, mais là, rien qu'en testant sous un éclairage, ça donne envie. Et je pense que en photo de voyage, ça va être vraiment super utile. Hop. Alors moi Voilà. je vois pas déjà les résultats, mais je pense Non, que c'est non, en mais train de voter, je vais hein. fermer le reportage, enfin, je vais fermer le sondage et puis je vais partager dans quelques instants. Là, on est à 71% de votants. 72, 73. Et je vais faire comme tout à l'heure. Si à 75, je vais clôturer. Voilà. Et je partage les résultats. Donc, 43% connaissent le principe et ne l'utilisent pas. 30% connaissent et l'utilisent quand c'est utile. 16% indiquent qu'ils n'avaient pas saisi comment ça fonctionnait, mais maintenant, ils comprennent. Et 32% sont curieux de tester en photo et 7% en vidéo. C'est pas choquant, hein, vous êtes nombreux à venir plus de l'image fixe que de la vidéo. Cela dit, moi, je pense que de plus en plus de photographes, de personnes qui s'intéressent à l'image,
seront tentés de faire leur premier pas en vidéo à un moment ou un autre, même pour faire une courte, hein, 1 minute, ça peut être quelque chose de très sympa. On apprend des choses, on voit même la prise de vue photo différemment quand on s'est essayé à la vidéo. Je masque les Ouais, c'est ça. résultats Pour et rebondir on sur se la vidéo, c'est vrai que reprend ensuite. moi qui en fais, forcément, quand on a des plans qui ont différentes valeurs de lumière, de couleur, après, pour réétalonner, c'est une galère. Donc, je pense que ça, je vais être très content de pouvoir l'utiliser, quoi. Absolument. Hop. Et je crois que voilà, tu vas pouvoir faire ta petite présentation. Alors, vas-y. Je crois que je Voilà. les ai à l'écran, c'est bon? Nickel. Donc, ça, c'est la page de pub dans chacun des webinaires. En quelques instants, on va vous parler des offres spéciales qu'on a mises en place avec notre partenaire pour ce soir qui est digixo.com. C'est une offre qui est valable du 29 novembre au 6 décembre. Et donc, en utilisant le code BenQ, bon, ok, pas très original, mais ça marche, vous aurez 10% de remise sur les écrans. Sachez que le SW240, il est normalement, je crois, à 499 euros TTC, donc ça vous fait économiser 50 euros. Après, il y a peut-être des frais de port, hein, c'est vous qui irez sur le site, vous irez voir. Et plus on monte en gamme, plus la remise va être intéressante, hein, puisque le pourcentage va jouer sur tous les écrans. 24 pouces. C'est déjà un écran pro avec calibrage hardware, avec la visière. Si vous l'achetez sur Amazon, vous n'aurez pas la visière. Faites gaffe, hein, faut l'acheter chez un revendeur photo, un vrai, pas Amazon. Le 27 pouces et jusqu'au 32 pouces, tous sont avec calibrage hardware, visière. Ce sont des dalles IPS mat qui couvrent au moins 98%, plutôt 99% d'Adobe RVB. Donc c'est tous des écrans professionnels pour traiter l'image. Et donc 24 pouces, bah, on est un peu en dessous de 500 euros TTC. Le 32 pouces, là, forcément, on est un petit peu plus haut vu qu'il est 4K, UHD, HDR. Il permet de faire de la photo et de la vidéo. Donc on est en dessous de 2000 euros. L'image suivante. Comme Digixo, ils étaient en forme. Ils nous ont aussi fait une offre très sympa. Et franchement, je ne crois pas avoir vu de remise aussi importante sur les produits Calibrite depuis très longtemps. Donc 25% de remise sur les chartes et les sondes Calibrite, toujours jusqu'au 6 décembre. Donc vous avez vu les chartes, vous irez sur le site, vous regardez les modèles qui vous tentent. Et vous voyez qu'il y a des petites versions, les toutes petites. Alors là, si tu veux me mettre en plein écran, parce que sinon les gens ne vont pas la voir. Donc, normalement, tu es plein écran là. Ça, c'est la Color Checker Nano. C'est fait pour la photo de macro. Et vous voyez qu'elle est toute petite. Si je vous mets un personnage Lego avec, vous avez une idée de la taille, hein. C'est pas grand. Voilà. Et ça, c'est très important puisque la charte, elle doit être petite puisqu'il faut qu'elle apparaisse en totalité sur votre photo. Donc, si vous prenez en photo des bijoux, des timbres, des insectes, ça peut être important. Il y a des chartes comme celle-ci. Ça, c'est la Color Checker classique qui est très raisonnable en budget et qui a les 24 patchs. Vous avez la Color Checker Passport Photo. Color Checker Passport Photo 2 qui ressemble à ce que Aichi vous a montré tout à l'heure, mais qui est que pour la photo avec cette charte-là, des chartes de gris pour faire la balance, et puis la Color Checker Passport Duo qui est faite pour la photo et la vidéo, puisqu'on a des chartes différentes pour la photo qui ressemble à ça, oui, pas de problème, et pour la vidéo, c'est pas exactement la même couleur, vous voyez que le noir est brillant, ce qui est indispensable en fait d'avoir un noir très dense. Comme ceci pour la vidéo, mais ce noir-là en photo, il serait galère à utiliser. Bah, pour la vidéo, c'est important. Toujours ces chartes-là, toutes, hein, les color checkers 24 patchs photo comme celle-ci, sont prises en charge directement dans des logiciels comme DaVinci Resolve. Et vous avez un logiciel qui est offert avec les chartes, qui est un plugin pour Lightroom et pour Photoshop pour pouvoir les exploiter avec vos logiciels de traitement. C'est ça, c'est ce que Donc, j'ai installé moi et je fais mon profil en direct dans Lightroom, quoi. ouais, et tu as vu, hein, c'est pas compliqué, hein. Ouais, faut juste redémarrer le logiciel pour qu'il mette à jour le profil, mais c'est tout. Sinon, c'est instantané dans le logiciel.
Et ça permet comme ça d'avoir un profil, non pas du boîtier, mais du boîtier par rapport aux conditions d'éclairage et de l'optique qui est montée. Parce que si vous prenez une photo avec la charte et que vous avez rajouté par exemple un filtre ND, eh bien, il va vous créer un profil qui tient compte de l'optique et du filtre ND que vous avez rajouté. Si c'est utile, parce qu'on peut utiliser un filtre ND juste pour jouer sur le temps d'exposition, mais ils ne sont pas parfaitement neutres. Ils ont parfois une petite dérive. Et donc, on pourra, comme ça, recaler cette légère dérive d'un filtre ND. Donc, ces chartes peuvent être utiles, notamment quand on veut faire de la photo de précision. Elles ne sont pas utiles tout le temps pour tout, mais quand on veut travailler avec précision les couleurs, ça fait gagner un temps fou, puisque bien entendu, tous ces réglages qu'Aichi a pu vous montrer, ils vont s'appliquer pour une prise de vue, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'appliquer quand vous faites un travail par lot. Donc, pour toute une série d'images, on fait une balance et un profil avec la charte, et ensuite, vous pouvez l'appliquer sur toute votre série, si bien sûr, elle est prise dans les mêmes conditions de lumière. Voilà pour cette explication. Donc, ces offres, elles sont valables que jusqu'au 6 décembre sur le site de digixo.com. Demain, de toute façon, vous aurez un email qui vous précisera le site de Aichi. Je vous mettrai, parce qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus, le lien vers le petit utilitaire Adobe Color. On vous met le lien vers les offres chez Digixo et vous aurez la possibilité de voir le replay aussi. Voilà, on va peut-être passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a eu des questions pendant ce webinaire? C'est Hervé qui va me le dire. Plein. On va pouvoir revenir dessus. Sur les photos de nuit, donc question de Yann. Pour les photos de nuit, comment gères-tu la montée en ISO? Quelle est ta limite luminosité-bruit sur le A7R3? C'est une très bonne question. Alors, A7R3, il faut savoir que Sony, niveau montée ISO, on peut y aller. On peut aller sur du 4000, du 5000, même du 6000. Enfin, vraiment, c'est un boîtier, le A7R. Voilà, la gamme R est vraiment prévue. On peut monter en ISO. Après, moi, j'essaye toujours de me restreindre. J'aime pas aller au-dessus de 2000. J'aime pas monter trop, mais je peux monter jusqu'à 1000, 2000 sans que ça soit gênant. Même 4000, je l'évite hein, parce que dans ma conscience, je ne veux pas monter en ISO. Mais on peut le faire. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est un boîtier, celui-ci qui a 42 millions de pixels, en fait, même s'il y a un bruit lié aux ISO, il y a tellement de pixels qu'il va être tout petit et il faut vraiment zoomer dans l'image pour voir le bruit. Donc ça, c'est aussi un avantage de prendre des boîtiers avec beaucoup de pixels. Après, pour pallier à ça, moi, ce que j'aime faire, je le disais tout à l'heure, je shoote beaucoup aussi au trépied. Et là, ça me permet de faire des prises de vue de nuit avec ISO minimum, donc ISO 50 sur ce boîtier-là. Et je n'ai aucun bruit. Je fais des longues expositions et j'ai plein de détails dans mes images de nuit. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Très bien. Des luttes ont-elles été utilisées en post-prod? Question de Gabriel. Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai pas de lutte que j'ai téléchargée. Alors, on peut parler de presets dans Lightroom, mais c'est des choses que je crée moi-même, c'est-à-dire que quand je fais des réglages de couleurs que j'aime bien, je les enregistre, je les mets de côté et ça me permet, lorsque je vais faire mes retouches, de regarder dans les profils que j'ai déjà créés, de dire tiens, celui-ci, je l'aime bien, il fonctionne bien avec ma photo, je vais l'appliquer et ensuite, à partir de ça, je vais ajuster parce que forcément, un preset, ça s'applique pas directement à une image. Il faut prendre le temps de l'ajuster à son image pour ajuster la luminance, ajuster les couleurs parce que chaque image est unique, elle a des conditions de prise de vue, donc un preset ne s'applique pas directement. Parfait. Comment gères-tu les hautes lumières? Est-ce que tu sous-exposes systématiquement? Question de Claire. Alors ça dépend, surtout quand on est en photo de rue où des fois il faut déclencher un peu rapidement, on ne peut pas toujours se régler. J'aime bien shooter en manuel, mais ça m'arrive fréquemment de par exemple me mettre en priorité ouverture, c'est-à-dire que je dis à mon boîtier, tiens, je veux shooter à ouverture F1.4, F2, F2.8, règle tout seul ma vitesse, règle tout seul mes ISO, et au moins je suis sûr d'avoir cette valeur-là, et il va me régler avec une référence de blanc neutre qui normalement ne sera pas trop sous-ex ou trop sur-ex. Après, moi, j'ai tendance à préférer, j'aime bien sous-exposer un petit peu parce que je sais que dans mon traitement,
Pour obtenir les résultats que je cherche, je vais déjà naturellement sous-exposer un petit peu mon image. Donc, de manière générale, moi, je sous-ex, mais c'est pas un souci. Aujourd'hui, les logiciels Lightroom, surtout avec des boîtiers plein format, permettent de suffisamment compenser, pardon, les hautes lumières ou les quand on est sous-ex. Alors une question, tu vas me dire si c'est lié. Bonsoir, je n'ai pas vu de débruitage des photos. C'est étonnant pour du 1600, 2000 ISO. C'était peut-être voulu de conserver du grain. Question de Dany. Oui, alors sur beaucoup de photos, même, je vais tendance des fois à aller en rajouter. Parce que dans l'esthétique cinéma des vieux films tournés à la pellicule, on avait un grain cinéma qui était intéressant. Et parfois, dans mon approche, je trouve que. Bah, alors, j'ai un super boîtier qui me fait des photos très nettes. Et des fois, je trouve ça presque trop propre. Et j'aime bien. Alors, j'adore les photos très propres, mais parfois, dans ma démarche artistique, j'aime avoir cette sensation de grain, de film, presque faire croire que la photo a été prise en argentique. Donc, c'est un choix. Et après, bien, ça appartient à chacun, les choix artistiques, les goûts, les couleurs. Ça, je pense que c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou non. Parfait. Question de Jean-Pierre. Utilises-tu le flash lors de certaines prises de vue? J'aime beaucoup cette question parce qu'il faut savoir que moi, auparavant, donc quand je travaillais en agence, je faisais beaucoup de studio, je travaillais beaucoup en flash, j'adorais ça. J'ai fait un peu de flash en extérieur, mais aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je n'ai pas encore racheté de flash, mais c'est un projet que j'ai dans ma démarche de faire des photos flash prises en extérieur. Là, ce que j'avais en Corée, je peux vous le remontrer avec la photo de Yeni. Ici, j'avais un spot en lumière continue pour lui ajouter une teinte de bleu. Normalement, vous le voyez à l'écran. Donc, j'utilise des LED, c'est les lumières qui m'éclairent actuellement, que j'ai emmené en Corée, que j'avais disposé dans la rue sur un support pour rajouter de la lumière parfois sur mes sujets quand j'avais envie, ou même sur l'environnement, ça peut aussi se faire. Parfait. Une fois qu'on a extrait les couleurs d'une image avec Adobe Color, comment on procède pour avoir le même rendu sur nos propres images? Ça, je ne sais pas si Ça, c'est. c'est. Alors, en fait, c'est une bonne question. Le process, idéalement, c'est on a les couleurs Adobe Color, on regarde les couleurs qui se détachent, et dans l'outil, je vous montre dans Lightroom, Color Grading, qui est ici, vous pouvez essayer d'aller chercher la teinte qui va s'en rapprocher le plus. Ensuite, quand vous avez terminé, vous avez l'impression que c'est bon, eh bien, vous importez votre image dans Adobe Color et vous regardez si ça correspond à votre référence. Sinon, vous ajustez. C'est un petit peu de la bricole, mais je pense que c'est une bonne manière de d'abord travailler son œil et de dire, OK, ça me semble bien, je vais vérifier si ce que j'ai fait est correct. Après, vous n'êtes pas obligé d'être à la valeur près. L'idée, c'est de s'en inspirer, d'avoir une palette de couleurs et de sentir que dans son image, on s'en approche. En combien de temps en général tu retouches une photo, même si ça varie énormément? Question de Laurane. Ouais, non, c'est une très bonne question. Quand je crée une photo du tout au tout pour créer un nouveau preset, eh bien, je peux m'attarder une, deux, 3 heures dessus s'il faut pour prendre le temps de bien créer mon profil, ma référence que je vais ensuite, par exemple, utiliser sur une série complète. Et ensuite, une fois que j'ai fait cette première photo, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, j'applique mon preset sur mes autres images et je viens ajuster. Après, il y a bien sûr aussi toutes les étapes de si on veut faire de la retouche, de lisser la peau, de cacher des petits détails. Ça, c'est du temps que je ne compte pas dans ce temps des 3 heures. Ça dépend de la photo et de ce qu'il y a à faire dessus. Parfois, on peut passer énormément de temps à retoucher une image parce qu'il y a beaucoup de défauts qu'il faut corriger. Si vous aviez laissé trop de poussière sur votre capteur et que vous avez plein de petits points et qu'il faut les gommer, bah, il faudra prendre le temps. Nettoyer vos capteurs, c'est important. Très bien. Une question à laquelle je vais répondre. Une charte de gris ne suffit pas. Est-ce qu'il faut aussi une charte de couleur? Ben, la charte de gris, elle va vous permettre de faire une balance, mais la charte de couleur, elle va aller plus loin. Elle va prendre en charge des couleurs qui sont à d'autres endroits du spectre. La charte de gris, elle va juste régler voilà, votre température de blanc, de gris. Et les autres vont permettre d'étendre en fait la précision. Hein. Donc, c'est bien de démarrer avec la charte de gris. Et pour plus de précision, vous allez utiliser la charte Color Checker qui est ici 24 patches. Florence me dit qu'elle n'a pas de plugin. Elle a la charte, mais elle n'a pas le plugin. Je vais vous envoyer le lien pour télécharger gratuitement le logiciel de Calibrite pour toutes les chartes. Il faut savoir que ces chartes
24 patchs, elle existe depuis plus de 40 ans. Le logiciel est gratuit, donc vous pouvez le télécharger. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez aller dessus. Une question pour toi, Aichi. L'application d'un profil n'entraîne-t-il pas un changement des réglages effectués auparavant? Si, c'est pour ça que j'ai dit que en fait moi j'aime bien soit moi je le fais en fin de retouche parce que j'ai déjà travaillé et je vais regarder un profil qui pourrait matcher avec ce que j'ai fait parce que j'ai d'abord une volonté de faire quelque chose et ensuite je l'ajuste, mais je vais chercher un profil qui va aller avec, qui va ajouter, mais qui va pas détruire ce que j'ai fait. En revanche, si vous voulez, vous pouvez d'abord commencer avec le profil dès le départ. Puis ensuite faire votre retouche. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire en fait, mais ça va peut-être vous orienter directement dans votre retouche. Tandis que le faire à la fin, moi, je reste sur ma valeur neutre déjà, je fais mes retouches, je fais mon traitement, et ensuite je vais chercher à ajuster, à finaliser mon traitement avec un profil, comme si je venais ajouter une petite touche à la fin, mais je ne vais pas ajouter un profil à 100%, je vais l'ajouter à 20, à 30% pour ajouter une petite touche en plus sur la fin. Mais je le fais aussi parfois au début. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Parfait. Est-ce que tu traites tes photos uniquement avec Lightroom ou aussi avec Photoshop? Ben, c'est complémentaire. Tout ce qui est traitement des couleurs, ça va être dans Lightroom. En plus, c'est vraiment pratique pour faire du traitement par lot. Si vous n'avez pas Lightroom, il y a des alternatives gratuites comme Darktable. Qui est un logiciel libre, donc vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas la suite Adobe. Et je l'ai dit, ben, pour peaufiner, pour faire de la double exposition, de la fusion d'images, créer des panoramas, eh bien ça, je vais utiliser Photoshop. Mais l'ensemble des actions créatives pour trouver les couleurs, ça va se faire sous Lightroom. Mais vous pouvez le faire aussi dans Photoshop parce que Lightroom, c'est un standalone du module Camera Raw qui est dans Photoshop. Donc vous avez les mêmes fonctions. Mais Lightroom est prévu pour du traitement par lot. Ok. Wow, je vais vérifier ça. Alain m'indique sur le site Jigsaw, il est annoncé moins 15% et non pas moins 25%. Pourtant, moi, on m'a bien marqué moins 25%. Je vais vérifier, je vous envoie l'email demain pour vous préciser la remise, parce que ça, c'est pas normal si on n'est pas raccord. Je vous confirmerai ça Peut-être qu'ils ont une demain. remise publique, mais que le webinaire, vous avez une remise. Ben non, non, moins 25%, c'est en utilisant le code CAL, CAL. On verra bien, mais je vais vérifier moi de mon côté. Je vais simuler un achat pour vérifier que c'est bien ça. Alors, est-ce que tu peux rappeler le rapport en cadrage cinéma et en portrait? Ben, en fait, il y a plein de rapports, mais vas-y, précise un peu peut-être les différents types. Je vous montre, alors on va revenir sur le moment de ma présentation. Ce que je disais par là, c'est que donc ici, j'ai ma photo, vous le voyez à l'écran, hein, j'ai ma photo d'origine qui est sortie de capteur, donc un ratio 2 par 3. Moi, ce que j'aime dans mon approche cinéma, c'est recadrer mes images avec un format cinématique, cinémascope, qu'on peut retrouver dans le cinéma, vous savez, avec les fameuses bandes noires en haut, en bas, par exemple, qu'on voit à la télévision, pour avoir une photo qui va être plus étendue, plus en largeur, et qui va donner cette impression de cinéma. Mais cette photo marche aussi très bien si j'avais choisi de la recadrer pour un portrait. Ça fonctionne aussi. Et moi, j'avais imaginé que ça pouvait être, par exemple, une affiche de cinéma. Elle me faisait, je trouvais cette photo vraiment drôle parce que j'ai pris cette photo tout bêtement de l'intérieur de ce restaurant et j'ai vu ce monsieur-là qui me regardait à travers les chiffons. Et je trouve que son expression, elle est exceptionnelle. Et c'était dommage de ne pas essayer différents cadrages, de proposer un regard différent. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à la question, mais il Si, ne faut c'est pas bien. hésiter à tester différents ratios. Une photo, ce n'est pas parce que votre appareil photo fait du 2 par 3 que vous devez créer une photo en 2 par 3. N'hésitez pas à recadrer et à chercher différents cadrages. Ce qui est intéressant, là, c'est pour la même image, la même photo au départ, on voit que ça raconte des histoires complètement différentes suivant la manière justement dont tu cadres. Et en plus, là, tu as même fait une affiche en habillant avec du texte. C'est très, très important de jouer avec ça, tenter, parce que c'est en expérimentant que vous pourrez des fois découvrir une manière différente de faire de la photographie. Moi, vraiment, je vous invite à faire ça. Si ça vous a donné envie, bah, testez, et puis vous verrez C'est bien. ça, soyez curieux, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise manière de faire les choses, et c'est vous qui décidez. Alors, Stéphane te demande, as-tu publié des livres?
C'est quelque chose, j'y pense. Aujourd'hui, pas encore. J'ai fait des expositions, mais actuellement, je n'ai pas de livre, mais c'est dans les projets de réflexion. Voilà, je n'en parle pas publiquement encore sur mes réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas annoncer ces choses-là, mais ça trotte dans ma tête. Donc peut-être qu'un jour, un livre verra le jour. Ou plusieurs, je ne sais pas. Déjà, hein, ça serait bien. Parfait. Alors, c'est bien parce que on est en travail collaboratif. Il y a Dany qui est allé tester sur le site de Digixo et visiblement, je vous confirme, donc ce n'est pas 25%. C'est l'information qu'on m'avait donnée, donc je vous la corrige. Ce n'est pas 25% de remise, c'est 15% de remise, ce qui est déjà pas mal, ce qui est même très bien, sur les produits Calibrite. Pour les écrans BenQ, c'est 10% sur les produits Calibrite avec le code CAL15, c'est 15%. Et essayé aussi par Isabelle. Merci Isabelle, merci Dany de votre aide parce que. Et le code pour BenQ, c'est BenQ10, annoncé en gros sur la page d'accueil. Bah oui, mais ce n'est pas l'info qu'on m'avait donnée. Donc BenQ10 avec 10% de remise et non pas BenQ tout court. Et pour Calibrite, c'est 15% de remise et le code, c'est CAL15. Je vous corrigerai ça et je le mettrai dans le message que je vous envoie demain. Alors, la focale 180 mm, Aichi, question pour toi. Vous l'utilisez dans quelles conditions, dans quelle situation? Alors, je vais me mettre en plein écran. Est-ce qu'on me voit en plein écran? Je pense. Ouais, vous la voyez là, donc je l'ai dans les mains. Hein. En fait, ce qui est génial avec cette focale, c'est que moi, je l'ai achetée donc directement quand j'ai acheté mon boîtier en même temps. Je voulais absolument une focale qui me permette d'aller chercher des choses au loin. Il y en a qui pensent tout de suite à la photographie animalière, à ce genre de choses. On peut aussi penser à de la photo de concert. Moi, je sais qu'en photo de concert, j'en fais aussi. Ben, j'aime bien pouvoir sortir un portrait très resserré sur le visage de la personne qui est sur scène, tout en étant pas toujours à proximité de lui. Et ça, ce genre d'outil, ça permet d'aller chercher ça. Mais par exemple, en photo de rue, je vais rafficher mon écran. Hop, vous avez. Hop, c'était la couverture du webinaire. Hop, juste là, je remonte. Cette photo que j'ai prise depuis un balcon, donc du 14e étage, ça me permet d'aller. J'ai une vue quand même assez large. Vous voyez, je ne suis pas en gros plan, mais par contre, j'ai cet aspect détaillé. J'ai un peu ce rendu presque miniature sur la ville. Et ça me permet de créer des vues qui sont presque isométriques en étant à 180 mm. Et pourtant, on a une vue qui est assez large. Donc, moi, ce que j'aime, c'est aller écraser les perspectives, montrer des choses quand même assez larges, tout en étant très zoomé. Ça va créer une perspective différente dans les prises de vue. Voilà, faut pas hésiter à essayer de se casser les codes. Un zoom, c'est pas fait pour faire que du gros plan. Si vous allez chercher un sujet qui est très loin, vous pouvez avoir un beau panorama qui a une prise de vue, une perspective différente. Voilà comment Parfait. j'aime l'utiliser. Stéphane te demande, puis il t'avait demandé si tu faisais des livres et maintenant il te demande si tu fais des workshops. C'est des choses auxquelles je réfléchis aussi. Alors, je peux pas tout dire vu que ce n'est pas prêt, mais idéalement, j'aimerais emmener avec moi des personnes en session, par exemple photo nocturne, pour prendre des gens avec moi et en groupe de 4-5 personnes pour prendre le temps d'expliquer, d'expérimenter. Donc, si jamais ça intéresse des personnes, peut-être dans l'audience, n'hésitez pas à m'envoyer par exemple un message sur Instagram en me disant, tiens, si tu fais des workshops, moi, ça peut m'intéresser. Comme ça, je sais déjà que je peux me pencher sur la question, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et même, pourquoi pas, organiser, par exemple, des balades en Corée ou au Japon pour emmener des personnes avec moi, eh bien, sur des lieux, sans que vous ayez à faire toutes les étapes que je vous ai présentées au début d'organisation, d'identifier les spots. Moi, c'est un travail que j'ai fait déjà, donc je pourrais potentiellement guider des gens en Corée ou au Japon pour faire des photos et transmettre Super. mes expériences. Alors, Henri Pierre nous indique qu'il est difficile de donner un ratio cinéma. Il y en a beaucoup. J'ai parfois filmé dans des formats personnels. Il dit, est-ce que c'est pas ce que fait Xavier Dolan, par exemple? Changer parfois les ratios. Pendant ses films, il le fait, ouais, c'est une belle référence. Xavier Dolan qui parfois fait un film tout recadré et qui d'un seul coup va l'étendre pour apporter un regard. Alors, c'est pour ça que je fais des séries
qui parfois l'ensemble de mes images ne sont pas toutes avec un ratio 21/9. Parfois dans la série, il va y avoir un portrait, un carré. Enfin, faut pas se fixer un ratio. Faut se dire, j'ai envie de travailler comme ça. Et après, on expérimente, on teste. J'ai envie de dire vraiment, il n'y a pas de règle. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même casser les ratios, faire votre propre ratio. Il y en a qui vont faire des choses très étendues, qui vont être loin du ratio cinéma. Mais c'est à vous de choisir. Moi, je propose des idées, je montre comment je fais. Mais la règle, ça appartient à chacun en soi. Une dernière question à laquelle je vais répondre sur les chartes. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser une color checker quand on fait des photos en studio, notamment en utilisant des flashs? En fait, une fois que vous avez, je vais réapparaître. Une fois que vous avez bien calé vos lumières, ça peut être des lumières continues, ça peut être des flashs, vous prenez en photo la charte avec vos conditions de lumière et d'éclairage. Et du coup, vous allez capturer ces conditions de lumière et d'éclairage. Avec le logiciel, ça va vous créer un profil. Et toute la série que vous allez faire avec les mêmes éclairages va être nickel, en fait. Et c'est très utilisé en photo de produit, en pack shot, tout ce qui est photo d'objet. Ça peut être utilisé en portrait aussi, portrait simple ou petit portrait de groupe, pour pouvoir, comme ça, justement, faire toute une série. Parce que vous allez poser la charte juste au début une fois, ensuite vous l'enlevez, vous prenez vos photos et vous appliquez le profil que vous allez calculer à toute la série. Voilà. C'est en studio, en fait, où ça fait gagner le plus de temps. On parle d'heures de post-prod gagnées, hein, pour certains photographes avec lesquels on travaille. Voilà. Le chat, oui, Yann, en fait, quand vous posez des questions, il n'y a que nous qui les voyez. Ouais, je crois que le chat, il y a eu des versions où ça marchait. Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas partageable avec tout le monde. Dernière question. À quoi te sert le filtre Black Mist? Je ne sais même pas ce que Ah, alors je l'ai pas sous c'est. la main là, si peut-être. En gros, le filtre Black Mist, qu'est-ce que c'est? Je l'ai mis dans ma liste. Je sais pas si j'ai une image qui le montre, mais ça va être comme un. Donc je le mets devant et ça va avoir ce rendu de diffuser les lumières, de créer des lueurs et on a quelque chose de plus doux. Ça permet de vraiment, on a de la lueur qui se crée autour de nous. Et on a quelque chose de doux, de soft, et ça crée des petites lueurs. Donc c'est un filtre, voilà, il y a des filtres ND, il y a des filtres Black Mist. Moi, je l'ai mis dans ma liste du matériel. C'est un Nizi, je vous le remets, hop, ici, un filtre Nizi Black Mist. Et c'est vraiment, voilà, parfois je m'amusais à le faire en mettant mon parapluie quand je n'avais pas le filtre monté, je le mettais juste devant l'objectif, et j'avais aussi ce rendu avec le parapluie de nuit qui diffusait ma lumière. Voilà, c'est quelque chose devant l'objectif qui va un petit peu dilater et créer ce rendu diffus. Voilà, c'est un accessoire. Parfait. Très très bien. Est-ce que les profils peuvent être utilisés avec DxO PhotoLab? Alors, il me semble que oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il faut peut-être regarder dans les dernières versions des logiciels DxO. Visiblement, tout ce qui est gestion de la couleur est nettement plus pratique, optimisé. Ça n'a pas toujours été le cas, mais moi, je salue le fait que DxO ait fait l'effort parce que. Aujourd'hui, les logiciels les plus aboutis pour bien traiter les couleurs et prendre en compte, par exemple, les chartes, les profils, etc. Le top, c'est Capture One. Mais bon, tout le monde ne va pas sur Capture One. Bien sûr, il y a une très bonne intégration avec Photoshop, Lightroom. J'ai dit Capture One, DxO aussi. Et puis, il y a d'autres logiciels qui permettent de faire ce travail. Voilà. Et puis en vidéo, hein, très important, on en a parlé puisque DaVinci Resolve commence à être quand même très largement utilisé et la prise en charge des chartes et de la gestion de la couleur est valable dès la version gratuite de Resolve. C'est important ça pour ceux qui veulent aller vers ça. Oui, Yann confirme, c'est bien pris en charge avec DxO Lab. Voilà. Eh ben merci beaucoup. On a fait le Une tour des petite, questions, c'est bon? ouais, peut-être un petit mot
pour de la fin que tu vas faire. Moi, Non, déjà, c'est je terminé. remercie tout le monde. Merci de vos questions, c'était très intéressant. Merci, Aïchi, pour cette belle présentation et pour tes photos. Effectivement, moi, j'ai posé la même question que certaines des personnes qui étaient là, mais tu n'as pas envie de faire un livre parce qu'elles sont quand même d'enfer. Tes photos, entre ta série sur le Japon, celle sur la Corée, et je sais que tu en fais d'autres, tu as de la matière. C'est ça, Voilà. c'est un projet, je réfléchis, mais en tout cas, merci à tous de votre attention. Merci Hervé pour l'invitation. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir mon univers. Peut-être que vous avez appris des choses. C'était une présentation tout niveau, donc peut-être que certains connaissaient déjà, mais l'objectif, c'était surtout de vous montrer l'univers, de vous rendre curieux, de vous donner des pistes, de retouches, de réflexions, de cadrage. Et de vous emmener avec moi en Corée, puisque c'est un voyage tout récent, hein, c'était tout le mois de septembre, hein. Je suis parti un mois, donc je vous invite vous aussi à voyager et à tester, à expérimenter et à faire des photos, parce que c'est pour ça qu'on est là et c'est ce qu'on aime faire. Donc merci de votre attention et amusez-vous bien, faites des photos. T'as plus d'une centaine de merci beaucoup, c'était super tout ça, donc bravo, bravo Aichi, merci Merci pour cette beaucoup. présentation, merci à vous pour nous suivre et à bientôt pour un prochain événement. Au revoir. Ciao, ciao.